Oyez, oyez, visiteurs de l'internet, vous êtes sur la chaîne Red Dark et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de The Last of Us. Voilà. Ils ont voulu nous pousser à bout. Bon, malheureusement, j'ai dû couper l'épisode en plein milieu. Mais bon. Que voulez-vous ? J'avais pas envie de faire un épisode trop long et pourtant j'aurais pu faire la pause juste ici. Mais je ne savais pas. Donc, c'est pas grave. On va fouiller un peu tout cet endroit. Et on est avec celle que je vais appeler Nadine à chaque fois, mais j'ai oublié son nom. Comment tu t'appelles? Merci. Merci pour la réponse. J'adore être respectée. Qui est la chef des Lucioles, du coup. Un groupe d'espèces de révolutionnaires. Voilà. Et donc, on va chercher les armes. Ça ira. On va chercher des armes. Super. Top. Les soldats. De la police. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Yes, let's go. Je suis pour. À moitié. On doit atteindre cette porte. Ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais on peut passer directement. Ah non, on peut pas passer au milieu. Il y a des gens partout. Il y a un type un peu isolé là. Je prends celui-là. Mais sûr que si, que ça me servira à te tuer. Je dois passer. Il a pas des petites ressources, lui? Genre des petites balles, moi ça m'arrangerait. Je ne vois rien. Faudrait que je passe là. Les intelligences artificielles ne sont pas très intelligentes. Je trouve. Yes. Voilà, du coup c'est comme ça qu'on utilise les armes du corps à corps. Allez, arrête. Laisse-moi. Ouais, super. Là, il faut que j'aille me cacher. Voilà. Magnifique petite babale qu'il a pris droit dans la tête. Du coup, j'ai perdu un peu de vie quand même. Je suis pas ultra fort pour l'infiltration, je vous le dis. Et là, c'était pas ultra bien comme infiltration, mais en vrai, ça va. Ça va, ça va. J'aurais pu faire pire. Donc là, il y a des gens qui se sont fait complètement tuer. À mon avis, c'était des lucioles. Et elle est où, l'autre? Où elle est passée? Ah mais non, mais elle doit être en bas. C'est vrai qu'on devait atteindre la porte qu'il y avait en dessous. Donc on va descendre tout de suite. Tac. Alors. Il n'y a rien là. Et donc, elle nous attend gentiment devant la porte. Et lui, il rentre sans regarder s'il y a quelqu'un. Vous faites un peu de bruit, hein, les filles, quand même, quand vous poussez la... Par ici. Enfin, le casier. En essayant de voir s'il n'y a pas des trucs quand même. Généralement, ils sont en surbrillance. Là, il me faudrait un peu de vie. Je sais que dans le 2, on peut crafter des kits de survie. Enfin, des kits de survie, des kits médicaux, mais là... On est presque arrivé. Là, je ne crois pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice.
C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Les marchandises. Moi aussi j'ai hâte de savoir ce que c'est, même si je pense que le savoir est... Et vous aussi vous le savez peut-être, je ne sais pas. De la drogue bien évidemment. Non, je rigole. J'espère que c'est pas ça, hein. Sinon c'est sacrément décevant. Joël, donne-moi un coup de main. T'arrives pas à ouvrir une porte, je sais que t'es blessé, mais bon, à ce moment-là. Excusez-moi d'avoir mis pause à cette cinématique, mais j'ai eu un problème de batterie, donc voilà, on va pouvoir reprendre. Let's go. Attends un peu, relève-toi. T'approche pas d'elle. Lâche-la. Et donc, voici Ellie, la marchandise. T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste Ellie. C'est notre seule chance. Voici Ellie de The Last of Us. C'est elle qu'on fait sortir. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte. Qui est la marchandise? Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. N'est pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joël restera avec elles. Attends, je pense la pas merde, que ce soit je fais une bonne idée. Pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais ami avec son frère Tony. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. D'accord. L'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Ah voilà, c'est Marlène et non pas Nadine, comme dans Uncharted. Moi, je l'appelle Nadine à chaque fois. Maintenant, suis-le. L'habitude. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Du coup, récapitulons. Nous avons Joël, Ellie, Tess, Nadine et l'autre qui est mort, c'était... Bon, c'est par un R, je crois. J'ai oublié, je n'arrive pas à me souvenir de ce nom. Pas Didier, pas... Ah, c'était Robert, voilà. Bon, du coup, madame la marchandise, on va devoir t'amener j'ai entendu sous un pont. C'était quoi? Les lucioles. Pendentifs des lucioles. Si on quitte pas la rue. Philippe, du coup, ah, ils font des pendentifs lucioles. Alors, il n'y a rien ici. Globalement, je pense pas qu'on trouvera grand chose ici dans une zone découverte comme ça. À trouver un pendentif quand même. Et il doit pas y avoir grand chose d'autre. Continuons. On va se faire voir là. Tu peux faire attention, Ellie. Juste genre un minimum histoire de pas te faire. Cramé, là, il y a un truc qui descend dans les égouts. J'imagine qu'on doit passer par ici. Et ça m'énerve parce qu'ils ont bloqué plein de portes. Par ici. Ah, je vais te tuer. Petite gamine là, qui regarde les murs alors que nous, on doit la sauver quoi. Dépêche-toi. Mais oui. Mais oui, j'arrive, arrête de m'embêter. Si je tire, je me demande qu'est-ce qui se passe. Yes. J'adore gaspiller des balles pour rien, mais je veux tester le jeu en fait. Je teste. La cellule de mort, oui, mais quittez pas. Là-haut. Pas du tout dans les. Ouais, en train de commettre un acte d'illégalité. Tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Peut-être par cette échelle.
enfin cet escalier. Il faut juste qu'on trouve une échelle ou une poubelle. Poubelle. On va utiliser cette poubelle, mais juste avant, je vais essayer de fouiller un minimum. Il n'y a rien à fouiller. Voilà, il y a toujours les choses où il faut dans ce jeu. J'adore. J'adore parce qu'on sait très bien que c'est impossible dans la vraie vie. Pourquoi y aurait-il une poubelle exactement là où on en a besoin? Mais il faut avouer que c'est pratique. Bon, tu viens? On peut pas tirer. On peut pas tirer. Je comprends pas ces jeux où tu peux pas tirer sur tes alliés. Enfin, c'est normal, mais ce serait trop drôle que tu puisses tirer dessus. Mais bon, même si ça te fait un game over, quoi. Tu veux pas monter? Allez, monte! Il fallait que je monte. Oui. Parfois. Et une gamine, ça se fait? Non, c'était une première. Hmm. Il se passe quoi encore avec Marlène au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop répondre. Et tes parents, ils sont où? Bah tu fais plus 12 ans, petite. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. Tant mieux, eh bien. Voilà. La discussion se termine aussi en mode... voilà. Voilà, on a papoté, voilà. Et tu ne sauras rien. Et je comprends pas pourquoi il bouge toutes les portes et pas celle-là. C'est ici. C'est un peu... un peu bizarre. Ils se sont dit, tiens, imaginons que quelqu'un ait besoin de se planquer ici, on va laisser ça ouvert. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ah, il a sa montre cassée. Ta montre est cassée. Je viens de le dire. Sarah. On avait remarqué. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. N'allume pas la lumière. N'allume pas la lumière. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolé d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. Vrai? Ouais. Allons-y. Il reste tout ça pour des armes. Et remarque, sans ça, il n'y aurait pas d'histoire. Donc, finalement, c'est bien. Alors, il y a des petits trucs à fouiller. Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est bizarre qu'ils nous confient cette mission. Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il reste. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Puis au pire, vous aurez qu'à les voler, ces armes. Allez. Super, donc c'est moi en dernier. Yes. J'adore. Alors, comment va-t-on allumer ça? Ah, c'est triangle. Il
Et voilà, le moteur est allumé. Ça fait un tantinet de bruit, vous trouvez pas? Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long. Si tout passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Patience. Et... une fois sorti, tu feras tout pour nous. Et tu resteras pour nous. Ouais. Pas de problème. Alors. On va vérifier que la voie est libre. Oui, toujours à moi de faire le sale boulot. On pourrait le faire un peu plus discrètement. Ok. C'est bon, montez. En tout cas, je vais essayer de faire des épisodes de 30 minutes environ. Je l'ai pas encore dit, mais voilà, ça me paraît être une bonne durée pour un épisode, un bon temps, j'allais dire. Oui, enfin, j'espère que vous passez du bon temps en tout cas à regarder ces let's play. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Même si je les lirai bien après avoir fait l'épisode. T'es vraiment dehors, mais bien sûr que tu es vraiment dehors. Bon, elle a été séquestrée ou quoi? Un peu ça, hein. Bah oui, elle a dit qu'elle est jamais sortie, donc. Et tout à l'heure, elle était dehors. Attendez, c'est pas très logique. Tout à l'heure, tu étais dehors quand on partait. C'est vraiment trop bien fait le jeu. Enfin, le son. Oh non. On s'est fait voir, on s'est fait voir. Camelé, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolé. D'accord, l'autre aurait très bien pu tirer, mais. Voilà. Merde. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Un truc du genre. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours. Alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines. Je vous jure. Elle est immunisée. Voilà pourquoi elle est si précieuse. Je la crois pas. Merde. S, cours. Cours! Debout. Allez, cours! Allez, courons. En même temps, vous tirez alors que la police est prévenue. Enfin, l'armée est prévenue. Pas se. S'étonner. Suivez-moi. Donne le signal, on court. Signal, on court. Figé. Vas-y. Cours. Ils éclairent tout sauf ici. T'approches pas de la lumière. Restons cachés. On a que 9 munitions, hein. Bah oui, vous avez tiré. Bon, je pensais que la révélation du fait qu'elle était immunisée allait être un peu mieux faite. Hein. Je trouve que c'est un peu bâclé quand même. Attention.
Faut pas qu'il nous voit, ouais. Voilà. Oh, ils sont un peu aveugles quand même. C'est un très mauvais coup. Oh non, j'ai fait une grosse erreur. J'ai gaspillé 3 balles et j'ai perdu énormément de vie. Et maintenant, ils m'ont repéré. C'est pas grave, on va passer là. Allez, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Même si j'ai plus de vie, on peut peut-être le faire. Allez, on va courir. Allez, Joël, tu peux le faire. Oui. C'est une énorme erreur de tirer. On n'a pas tellement le choix. Attendez, je pouvais passer juste là en fait. Gaspiller des balles pour rien. Je ne peux pas regarder ailleurs. Allez, on court, on court, on court, on court. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. On va réussir à passer là. Voilà. Ils sont juste derrière nous. Allez, on peut passer, on peut passer, on peut passer. Il faut... J'ai plus de vie. Là, je sens que la première mort du let's play va pas tarder à arriver. Le problème, c'est que eux, si je les ai au corps à corps, je peux pas faire un feu en fait. Et du coup, j'ai pas tellement envie d'en avoir un au corps à corps. J'espère qu'il y a des balles sur un. Histoire de me refaire un minimum de stuff. Faut que j'arrive à passer de l'autre côté. Est-ce que je peux courir comme ça? Je pense pas. Non. Il faudrait que je fasse de l'autre côté pour récupérer des potentielles balles. Mais sauf qu'il n'y en a pas. Enfin... Il doit y avoir des balles là-bas, mais il n'y a pas de passage, j'ai l'impression. Pouf, c'est assez stressant, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir des ennemis de l'autre côté. On se repère avec tout le bruit qu'ils font. Oh, j'ai plus que 2 balles, j'ai tout gaspillé. Encore il m'en reste. Donc c'est déjà bien. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Tu n'es pas obligé de le crier aussi fort. Ok, ok, là on est bien là. Je suis désolé si je commente pas trop, mais là, dans le feu de l'action, j'avoue que c'est assez compliqué. J'imagine qu'il faut passer par là. Hein. Ouais.
On a que 2 balles, mais faut pas dire que. On va passer d'une expression positive. On a 2 balles. Voilà, il faut être optimiste dans la vie. Surtout en cas d'apocalypse et quand on est recherché par une bonne centaine de soldats armés. Voilà. Je pense qu'être optimiste, c'est pas trop. Encore des soldats. Cible toujours en fuite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 1. Je crois pas qu'il nous ait vus. Merci. Tout à vos véhicules. Ok, ils partent. Très bien. Allez, avancez. Bon, au moins on a réussi à s'échapper pour l'instant. Je doute pas qu'on réussisse à s'échapper plus longtemps. Ah, on va fouiller. Ils savent très bien quand ils font le jeu que à ce moment-là les gens ont perdu de la vie. Donc il doit forcément y avoir un petit truc utile pour se reprendre la vie. Ou des balles. Ou même les deux, c'était quoi ça? Je sais pas ce que c'était. J'espère qu'on aura d'autres armes bientôt quand même, parce que pour les combattre ces types, il faudra autre chose que simple pistolet quoi. On doit pouvoir passer par là. Mais attendez, je vais refouiller quand même ce qu'il y avait là-bas. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser là, parce que l'épisode dure quand même, mine de rien, presque 27 minutes. On est en pause, donc voilà. Je vais faire une petite pause maintenant, donc... On s'arrête là pour ce 3e épisode de The Last of Us, enfin de notre let's play sur The Last of Us. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et d'ici là, portez-vous.